L'ONU et les pays amis d'Haïti sont déçus par la lenteur affichée par les acteurs politiques haïtiens en ce qui a trait à l'organisation des prochaines élections. C'est ce qu'a révélé le chef civil de la MINUSTA, Nigel Fischer. Par ailleurs, le représentant spécial de Ban Ki-moon en Haïti s'est dit étonné d'apprendre qu'au niveau du Parlement, la commission bicamérale sur les élections n'a pas été installée ce jeudi 14 février, alors que les présidents des deux chambres lui en avaient donné la garantie. Si on peut voir un accord sur la création du CTCEP avec les membres déjà nommés, si on peut voir qu'il y a une feuille de route pour avancer les élections, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, par exemple, examiner la loi électorale, la loi sur les partis politiques, beaucoup à faire. Si on peut voir quelques avances, mais aussi si on peut aller au Conseil en disant on s'est mis d'accord avec le gouvernement sur cette feuille de route que j'ai mentionnée avec les quatre points. Déjà, ça peut améliorer, disons, la dynamique. Comme nous sommes déjà 13 mois en retard, je pense qu'il est très important que les élections auront lieu cette année. Je pense que c'est important, c'est essentiel pour la crédibilité du processus. Mais comme j'ai dit, ce délai avec les élections est devenu un symbole des problèmes ici. Ainsi, il y a une importance symbolique clé qu'on doit avancer avec ces élections.